Bonjour amis confinés. Aujourd'hui dans Jardiculture, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre à faire une butte selon les principes de Monsieur Fukuoka. Qui est ce monsieur? Bon, en même temps, il a fait un peu la base de permaculture, enfin de ce qu'on appelle maintenant la permaculture. Merci Bill Mollison. Et d'autres grands pontes, Damien Lecarze, Naturalien, enfin plein de gens, on fait plein de choses, Humus, Pidoc, enfin voilà. Et donc du coup, le but étant de faire une préparation pour son potager, mais sans rien faire. Voilà, c'est le but, c'est génial. On veut des insectes, on veut de la bonne terre, on veut pas de pesticides, on laisse faire la nature. Voilà, on emporte beaucoup de carbone, beaucoup de matière organique sur le terrain, et on laisse faire la nature. C'est génial, c'est un concept, il y a quelque chose là. Allez, on y va! Je tiens quand même à préciser que ça se fait sans chaussures, sans chaussettes et sans tongs. Hein? Pour, voilà, juste comme ça. Allez! On va commencer à passer en revue un peu tout ce qui est carboné. Donc là, on a une espèce de vieux foin, ou foin, hein, tout simplement, ça c'est très bien. Du bois un peu vieux, voilà, un peu pourri, ça c'est le top du top. Là ça fait une éponge, c'est le top du top, c'est très bien. Hop là, là nous avons des feuilles, voilà, ça c'est bonne source organique, hein, très bien. Autre source de matière organique, nous avons ici, là on peut dire vieille paille, vieux foin, avec une litière de vache, hein, ça, du caca de vache dedans aussi, c'est très très bon, hein. Ça on va tout foutre dedans, ça va être au top du top. Allez, wouh! J'ai un peu soufflé, mais bon, c'est pas mal. Donc voilà, ça va s'étendre jusque là-bas. Voilà. Bon, ça va être une grande zone encore. Dans les 5-6 mètres, ça va être bien. Alors je suis très content parce que vous avez été nombreux, nombreuses à ne pas me demander ce que c'était que cet arbre que je filme un peu de temps en temps. Voilà, donc c'est un laurier, voilà, laurier sauce, petite feuille, un peu lancéolée ou pas, voilà, c'est pas mal. Par contre tu vois, c'est un peu une erreur géologique, hein. il fait quasi... Ouais, 8 mètres de haut par 12 mètres de circonférence. Il y a je sais pas combien de pieds à l'intérieur. Il doit y en avoir au moins une quinzaine. Regardez. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et bon, ma main est pas si grande, hein, mais bon, de 2 pouces, ça fait 20 cm. Hein, donc, ils sont balèzes. Ils doivent avoir au moins... 80, 100 ans, c'est magnifique. Formidable, allez, on continue, on a autre chose à faire. Oh.
Ok, ok, allez, vas-y, avance, hein. Oui, vous avez vu notre leader suprême il n'y a pas longtemps. Oui, on a le droit de d'exploiter des enfants. Ah, vous avez pas entendu? Ah bah si, ils ont dit 60 heures. Pff, on vous en... Voilà. Les droits sociaux, les acquis sociaux, pff, on connaît pas. Droits des enfants, pff, on s'en fout. Donc voilà, faites-les bosser, n'hésitez pas. Alors, ouais, alors de 2 à 6 ans, c'est couture, hein, couture... les rideaux, des masques, voilà, vous avez le droit de faire, voilà. Et au-delà de 6 ans, bon, bah, vous pouvez faire fabriquer les téléphones, hein, comme en Chine, voilà, très bien. Et puis, bah, travail de la terre, ferme, voilà. Vous exploitez, voilà, vous hésitez pas, notre leader suprême l'a dit. Allez, on continue, hein. A pris en flagrant délit en train de gratter la terre qui nous intéresse. Bon alors, j'étais en train de vouloir venir faire vous un petit compte rendu. Voilà, donc ce qu'on va faire, nous, là, en gros, c'est mettre de la masse organique sur le terrain. Et au bout d'un moment, ça va se décomposer. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Un genre de terreau magnifique, très souple, voilà, un peu semoule. Et ça, c'est uniquement tous les déchets organiques, carbone, que l'on aura placés. Voilà. Et puis après, bah, les poupoules, elles viennent gratter. Alors du coup, elles nous mettent encore un peu plus. Regardez, on a un petit peu de vie ici. Oh, de la vie du sol. Nous sommes l'avenir. Sinon, j'ai plus qu'à rajouter la bâche non transparente, opaque, voilà, chercher le nom, par-dessus, et puis c'est fini, voilà, hein, allez, on continue, voilà, on continue. Voilà. Et voilà les amis. La planche de culture est presque prête. Donc on va laisser faire tous les insectes et la nature et le temps agrader le sol. Voilà, et puis après, bah, du coup, vous avez une planche de culture idéale pour tout ce que vous voulez faire pousser au potager. Voilà, vous êtes au top. N'hésitez pas, avec les herbes hautes et les pieds nus, de vérifier s'il n'y a pas d'éthique. Voilà, elles propagent la maladie de Lyme, elles y sont pour rien. C'est la maladie qui les utilise comme hôte. Donc voilà, faites attention, on vérifie tout le monde. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Jardiculture. Et portez vos masques, vous aurez l'air con, mais pas moins que le gouvernement.